Des tigres dans le Béarn. Leicester, fort de sa victoire de l'an dernier au stade du Hameau, un match de poule de cette Coupe d'Europe, avait bien l'intention de dévorer les Palois. Mais la section a su dompter les Anglais et rester maître dans son arène. Voici de quelle manière avec Fabrice Gol. La section paloise réussit un bon début de match, concrétisé dès la sixième minute par un premier essai. Sur cette attaque, Dantiac est plaqué à un mètre de la ligne, mais Thierry Cléda aplatit avec le soutien de ses coéquipiers. 5-0 pour Pau. Et les Béarnais continuent à écarter les ballons. Sur celui-ci, Brusque et Bernat Sall jouent au pied. Et c'est finalement Frédéric Leloir qui est le premier dans l'embut. Réaction des avants de Leicester, essai collectif attribué au flanqueur Nailback. 12-8 à la mi-temps pour une section souvent privée de munitions. Deuxième période, voici le plus beau mouvement de ce quart de finale, attaque paloise. Brusque fixe et croise intelligemment avec Bernat Sall qui file à l'essai. Mais Leicester n'est pas encore battu, la preuve, Serebi joue vite et aplati, plus que 4 points d'avance pour la section. La délivrance intervient ici à la dernière minute avec un quatrième essai palois marqué par l'arrière Nicolas Brusque, auteur d'un match époustouflant. Score final 35-18 pour les hommes de Jean-Louis Luneau.